Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau de C'est Foot. Nous allons revenir aujourd'hui sur la conférence de presse tenue hier au centre d'entraînement Robert-Louis Dreyfus. Nous allons notamment écouter Rod Fanny et Benoît Chéroux, un joueur qui d'ailleurs est toujours intéressant dans cet exercice. Et pour commenter ses propos, nous avons le plaisir de recevoir Karim Moudjan de Radio Star. Bonsoir Karim. Bonsoir Alexandra. On est ravis de vous avoir sur le plateau de C'est Foot. Alors avant d'écouter les deux Marseillais, on va commenter l'actualité olympienne du jour. Alors Steve Mandanda, pardon, ne s'est pas entraîné. Le capitaine souffrait d'un début de grippe. Ouais. Apparemment, ça va mieux. Il sera présent pour le match de dimanche. Est-ce que c'est rassurant ? Ah oui, c'est rassurant. Oui. Surtout que bon, on n'a pas forcément de deuxième gardien de ce niveau-là. Et quand on connaît l'importance du match à Monaco et de tous les matchs qui vont suivre derrière, c'est sûr que c'est une présence indispensable. Au-delà même de sa présence sur le terrain, c'est le capitaine. Donc forcément un homme de vestiaire. Donc oui, je pense que voilà, c'est plutôt intéressant de savoir qu'il va mieux. Après, en même temps, l'état grippal, on ne sait jamais trop comment ça peut virer. Bon, ce qui est sûr, c'est que visiblement les médecins ne sont pas inquiets pour sa participation dimanche. Alors on va passer totalement à autre chose. On sait que exactement 4013 places ont été alloué aux supporters marseillais qui voudront se rendre à Manchester pour le match retour. Est-ce que vous pensez qu'il y aura autant de Marseillais pour ce déplacement ? Ça dépendra certainement du match aller, quoi. Le match aller va conditionner le reste, c'est-à-dire que si on en prend une valise au Vélodrome et que c'est déjà fini, il n'y aura personne. Bah, je pense qu'il n'y aura pas grand monde, ou alors certains touristes supporters qui voudront aller voir Old Trafford de plus près. Maintenant, si le match aller se passe comme il doit se passer et que je pense qu'il va se passer, on peut espérer. Vous pensez qu'il va se passer comment ? Je pense qu'on peut tenir la trajectoire à Manchester, même si en ce moment c'est une équipe qui est assez redoutable dans son championnat, mais le championnat de première ligue n'est pas un championnat exceptionnellement relevé, en tout cas à mon goût. Hein. Il y en a qui parlent de ce championnat. Il y a 3-4 équipes valables. Après, le reste, c'est des équipes de bas de tableau de notre championnat. Ce serait presque l'équivalent. Par contre, voilà, il y a l'OM, je pense, qui est solide. L'OM aura en plus déjà 4-5 matchs de jouer en championnat. On sent qu'il y a une dynamique qui est en train de se mettre en route. Et Mathieu Valbuena, il sera là ? Je pense que ça va être compliqué pour lui parce que là, on parle de 4 semaines et demie. 4 semaines et demie, le verdict est tombé. Le verdict est tombé. 4 semaines et demie, c'est au départ, mieux. C'était 6. Hein. Ouais, mais pas 4 semaines et demie, c'est au mieux. C'est-à-dire que si sa rééducation se fait comme il faut, que surtout il les récupère comme il faut, c'est pas mal de paramètres. Donc après, il faut savoir aussi qu'il y aura 4 semaines et demie d'inactivité, même s'il va faire un peu de piscine. Donc, mais il manquera de rythme et de compétition. Donc quand bien même il venait à revenir pour le match de Manchester, il ne sera pas à 100%. Donc je pense qu'il faudra faire pour l'instant une croix, en tout cas, sur le match Valbuena que l'on a vu depuis le début de saison. Alors on aura en tout cas le temps d'en reparler. Hier en conférence de presse, Rod Fanny est revenu sur la blessure de Mathieu Valbuena. Pour lui, l'absence du milieu de terrain est forcément embêtante. On l'écoute. Pour l'équipe, c'est clair, ça nous chagrine. Pour lui aussi, surtout, je pense, parce que y a aussi l'équipe de France derrière. Donc ça me fait chier pour lui, ça fait chier pour l'équipe. Et moi aussi, à titre personnel, ça me fait chier parce que on commençait à un peu se connaître et bon voilà, le fait qu'il soit hors service pour le moment, faudra encore repartir sur de nouvelles bases encore la prochaine fois. Même auparavant, avant d'arriver, on voyait très bien que Mathieu était très important dans cette équipe. Il est parmi les joueurs qui animent le jeu, qui créent quelque chose dans cette équipe, et on a besoin de ça, de joueurs qui créent. Et le fait de ne pas l'avoir, on s'ampute un peu, quoi. Donc c'est difficile. Et comme je disais, même à titre personnel, c'est un joueur qui rentrait beaucoup dans le jeu et qui me libérait pas mal d'espace. Donc j'appréciais de jouer avec lui. Vous êtes d'accord avec ses propos, Karim ? Oui, de toute façon, c'est un joueur très important dans l'effectif. Hein. On le sait, Mathieu Valbuena, et on sait aussi que c'est quelqu'un qui dynamise aussi le vestiaire. C'est un bout en train. On a pu le voir pour le titre l'année dernière. C'était le premier à sortir du vestiaire avec le champagne. Il est apprécié des autres joueurs. Oui, parce que c'est quelqu'un qui ne triche pas. Donc forcément, dans le milieu du football aujourd'hui, ça ne court pas non plus à tous les coins de rue. Donc forcément, c'est un joueur qui est apprécié, qui joue avec beaucoup de spontanéité. Il est dans le vestiaire comme il est également sur le terrain, assez explosif. Donc ouais, c'est... Enfin, moi, j'apprécie aussi personnellement. Donc oui, c'est quelqu'un de très, très attachant, quoi. Et puis il revient très loin donc, dans sa carrière. Donc, on le sent que pour lui, c'est une vraie joie et une vraie fierté de pouvoir jouer au football à un haut niveau, quoi. Alors on va à présent parler de Benoît Chéroux. Alors il n'est pas toujours titulaire cette saison, mais l'ancien capitaine semble accepter cette situation, du moins devant la presse. On l'écoute. J'étais habitué à jouer plus régulièrement. Maintenant, je ne suis pas à plaindre, je ne vais pas me plaindre. Je sais que le coach... Et il le sait aussi, il peut compter sur moi. Il l'a montré en me faisant jouer après les deux premières défaites du championnat. Donc c'est qu'il sait qu'il peut compter sur moi. Moi, je suis à disposition du club et pour donner le meilleur de moi-même à chaque fois. Je sais ce que je vaux, je sais ce que j'ai apporté à ce club et je sais ce que je peux encore apporter. Après, l'entraîneur est là pour faire son équipe. Il doit mettre que 11 joueurs sur le terrain. Et les joueurs, on est là pour jouer et accepter ses choix.
Benoît Chéroux, un joueur important dans l'effectif. Oui, important dans le collectif, important également hors du terrain. Ça fait partie des cadres de cette équipe olympienne qui est là depuis 3 saisons maintenant. C'est sa 4e saison, si je ne dis pas de bêtises, avant 2007. Donc c'est vrai que c'est un joueur particulièrement intéressant. Et vous avez vu dans ses propos, c'est quelqu'un de très pondéré. Et, allez, je vais même jouer. Si ce n'est pas vraiment un grand joueur, vous appréciez pour vous moi, en tant que journaliste joueur. C'est, oui, un très vous, c'est un grand joueur. Ah, oui, pour moi, c'est un très grand joueur. Il a une très grande importance. Pourquoi dans, il n'est pas titulaire alors? Parce que Didier Deschamps a la chance énorme d'avoir un effectif pléthorique et de qualité, ce qui n'est pas donné à tous les effectifs. Il y a aussi la bonne surprise du chef de cette année qui est André Ayou, que vous pouvez faire jouer, je pense, même gardien de but, il sera, je pense, un très bon niveau. Donc voilà, il y a l'avènement d'André Ayou. Il y a une saison qui est longue, on joue encore sur 3 tableaux. 2,5 puisque la Coupe de la Ligue, il n'y a plus que la finale à jouer. Mais voilà, donc on va avoir besoin un petit peu de tout le monde. Là pour l'instant, c'est André Ayou qui est en pleine bourre, c'est lui qui joue. Benoît le sait, l'année dernière, vous rappelez, après sa blessure avant en Coupe de la Ligue en finale. Après il a eu une fin de saison compliquée, Caboret il a pris un peu sa place et tout. Mais il est toujours resté là et dans le groupe. C'est quelqu'un de voilà qui n'est pas là que pour servir son intérêt. Alors justement, on lui a posé la question à Benoît Chéroux pour savoir s'il y avait plus de concurrence. On va écouter le joueur qui nous répond. Pas plus qu'au début de saison, pas plus que l'année dernière. Après, on voit qu'il y a des blessures, des suspensions. Donc l'équipe type, c'est bien beau de dire qu'il y a une équipe type, mais elle est susceptible d'évoluer à chaque match. Donc forcément, il y a des joueurs qui vont plus jouer que d'autres. Chacun a son idée sur la question. Moi, mon travail, c'est de donner le meilleur de moi-même à l'entraînement et en match quand je suis sur le terrain. Alors l'OM va à Monaco dimanche et Lens ce week-end. Lille reçoit Lens, donc Lille, une équipe qui a quand même 6 points d'avance sur l'OM. Est-ce que vous pensez que c'est un prétendant au titre ? Ah, aujourd'hui, il ne peut plus se cacher de toute façon. Hein. Quand vous avez 6 points d'avance sur l'Olympique de Marseille et 4 sur vos adversaires directs, que sont le Paris Saint-Germain, Rennes et Lyon, ça commence à devenir assez intéressant. Après, la saison est encore longue. J'écoutais l'autre fois le président Trio de Bordeaux qui disait encore 45 points à distribuer, je crois quelque chose comme ça. Donc il y en a qui vont en perdre, il y en a qui vont en gagner. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est qu'elle me paraît en tout cas cette équipe-là et en tout cas ce club-là, cet effectif, un des plus complets et des plus pléthoriques du championnat de France avec l'Olympique de Marseille. Ça veut dire également que l'OM n'a plus le droit à l'erreur. Ah ben les jokers, on les a grillés en début de saison. Hein. Nous, on a fait un peu l'handicap, vous savez, dans les centres équestres, dans les courses de PMU. C'est-à-dire que comme on était un cheval assez costaud, on est parti avec des handicaps, on est parti avec 20 mètres de retard sur tout le monde. Là, on est en train de revenir, bon an mal an, on est en train de remonter. Il y a cette équipe illoise qui est pour l'instant un petit peu sur sa fougue de la fin de saison dernière, qui sait sa continuité, qui a aussi, à mon avis, une chance inouïe de récupérer gratuitement Moussa Sow, le meilleur buteur de la Ligue 1 et meilleur buteur de Lille, avec 15 buts inscrits. Lille a marqué 38 buts, mais 15 déjà pour Moussa Sow dans des matchs assez importants. Donc voilà, il y a tout plein de facteurs aujourd'hui qui me font penser que cette équipe-là est en pleine réussite. Et vous savez que la réussite, on le sait bien, à Marseille, l'année dernière, fait partie du champion. De la panoplie du champion. Quoi, en du tout cas, champion. Benoît Chéroux n'a pas peur de cette équipe, écoutez-le. Peur, non. Moi, je suis admiratif par rapport aux résultats qu'ils font et aux jeux qu'ils produisent. Et ils méritent amplement leur place au classement en ce moment par les résultats qu'ils font et la qualité du jeu qu'ils produisent. Maintenant, ils ont pris un peu d'avance. C'est sûr que pour moi, c'est la meilleure équipe pour l'instant depuis le début de saison. Mais il reste encore beaucoup de matchs, beaucoup de journées, donc il peut se passer encore beaucoup de choses. Ils ont de l'avance, donc ils auront plus de jokers que ceux qui courent après, forcément. Donc ils sont dans une meilleure position que nous. Maintenant, c'est impossible de prévoir une baisse de régime. Je pense qu'ils ont beaucoup de qualité. C'est un groupe qui vit depuis un moment ensemble. Ils ont trouvé le buteur en pointe qui leur manquait en plus. Donc pour moi, c'est la meilleure équipe du championnat cette année. Donc dimanche soir, l'OM se déplace à Monaco, qui est le premier non relégable et qui vient notamment de changer d'entraîneur, on le sait. Sur le Rocher, les Marseillais sont un peu comme à la maison, il y a un terrain qu'ils connaissent bien, beaucoup de supporters, de nombreux supporters qui se déplacent. À quel match on doit s'attendre, Karim ? Match compliqué. Je pense que ça va être un match beaucoup plus compliqué que le match face à Bordeaux. Et que face à Auxerre, parce que c'est une équipe qui certes est en plein doute, mais en même temps les doutes sont dissipés aujourd'hui, puisqu'il y a un nouvel entraîneur, donc forcément un nouvel état d'esprit qui s'est immiscé au sein de l'effectif et au niveau de l'entraînement. Moi j'ai assisté à un ou deux entraînements de l'AS Monaco, j'ai eu la chance d'y aller.
avec Laurent Bagny, donc le nouvel entraîneur. Et c'est vrai que vous vous rendez compte que finalement, cette équipe-là, voilà, y a tous les joueurs aujourd'hui se rendent compte que tout le monde peut avoir sa chance. Alors qu'avec Guy Lacombe, c'était déjà verrouillé. Et vous savez qu'un joueur marche beaucoup à la confiance. C'est-à-dire que quand il sent qu'il ne peut plus être dans l'effectif titulaire, bah, j'allais dire mécaniquement, il lève un petit peu le pied. Là, bah, y a une nouvelle élan qui vient de. Donc tout le monde se dit, je peux prendre ma place, je peux avoir ma place. Donc forcément. Des joueurs motivés, évidemment. Jouer contre l'OM en plus, c'est-à-dire que vous faites un gros match contre l'Olympique de Marseille, forcément, vous savez que vous allez commencer à rentrer dans les petits papiers de Laurent Banide. Donc c'est pour ça que ce match est compliqué. Après, on sait que Monaco, on l'a vu au match aller, hein, ça a été compliqué, hein, deux buts partout. C'est une grosse assise défensive, même si le gardien n'est pas trop en réussite en ce moment, Ruffier. Mais bon, ça reste avec des joueurs de qualité. Moi, c'est d'une équipe dont je me méfie le plus et qui, à mon avis, n'est pas à sa place. Alors, rapidement, Karim, nos amis d'Arles-Avignon reçoivent le PSG, Martigues également, mercredi. Et donc, le côté des supporters du Paris Saint-Germain qui ne sont pas autorisés à venir dans le Sud, qu'est-ce que vous en pensez? Bah, je pense que malheureusement, s'il faut en venir là pour assainir un peu les tribunes de la Ligue 1, je pense que c'est une bonne chose parce que bon, pour moi, et je pense comme beaucoup de supporters qui aiment le football, aller au stade, emmener ses enfants ou quoi pour assister à des bagarres ou à des choses complètement horribles, c'est inintéressant possible. Donc s'il faut en passer par là, je suis d'accord, il n'y a pas de problème. Maintenant, je pense que les solutions, il faut les trouver en amont et pas attendre qu'on en arrive là. Donc c'est bien beau d'avoir attendu que la saison démarre pour aujourd'hui, ça y est, prendre des mesures hyper drastiques, mais je pense que ça se fait déjà en amont, enfin ça devrait se faire déjà en amont. Forcément la solution. Non, elle me paraît en tout cas aujourd'hui la solution ultime parce qu'on est arrivé au bout du chemin, mais je pense qu'il faut maintenant se poser des bonnes questions et commencer à regarder peut-être vers l'outre-Manche en tout cas, et voir ce que nos copains anglais ont fait, quoi. Merci Karim Oundjian d'être venu sur le plateau. À bientôt en tout cas, j'espère. Avec plaisir, on va se recroiser, nous, Andorre. Exactement. Et quant à nous, on se retrouve demain soir pour un nouveau C'est Foot. En attendant, excellente soirée à tous.